Oh mais non, mais non, mais non! Déjà que ma déco elle est pourrave, alors si en plus toi tu te barres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Octoly. Vous êtes nombreuses à me poser la question à savoir comment je fais pour recevoir des produits gratuitement et je vous explique tout ça maintenant. Alors tout de suite, la question va être est-ce que je reçois tous mes produits grâce à cette plateforme? Non, c'est une plateforme qui est tout simplement gratuite, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est grâce à Petit Bout de Soleil, d'ailleurs petit clin d'œil à cette youtubeuse que j'aime beaucoup, qui m'a fait découvrir Octoly. C'est très simple d'utilisation. Le seul petit hic, c'est qu'il faut répondre à leurs critères, et pour cela je crois que sur YouTube, non je vais pas dire de bêtises, je sais que sur YouTube ils demandent à avoir un certain nombre d'abonnés. Moi je sais que je n'y ai pas le droit du coup, et pour Instagram il me semble qu'ils demandent 5000 abonnés. Donc forcément une fois que vous êtes sur la plateforme et que vous vous êtes inscrite, c'est très très simple d'utilisation. Vous avez le free store, donc c'est une sorte de galerie où on vous propose tous les produits disponibles. Donc je vous montre ça, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, à partir du moment où vous avez été sélectionné par Octoly, que votre profil a été validé, vous avez automatiquement 5 crédits qui sont sur votre profil avec lesquels vous allez pouvoir entre guillemets payer. Avec ces 5 crédits, pour ma part, j'ai tout simplement choisi le produit qui me correspondait le plus. J'ai n'importe quoi, mais par exemple je suis pas allée demander à tester un ballon de foot alors que je ne fais absolument pas de foot. C'est juste pour vous donner un exemple et vous dire que vous n'êtes pas obligé de prendre tous les produits qui sont de votre galerie. Alors une fois que vous avez sélectionné le produit qui vous intéresse le plus, il vous suffit juste de faire commander, d'envoyer un petit message à la marque, tout simplement pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, je suis nouvelle, j'aimerais bien tester vos produits, j'ai pas eu l'occasion avant. Enfin, vous écrivez absolument ce que vous voulez. Ensuite, vous allez recevoir un mail d'Octoly en vous disant si oui ou non la marque a accepté de travailler avec vous. Une fois que tout a été validé, vous n'avez plus qu'à attendre le colis. Une fois la réception du colis, à vous de jouer. De toute façon, arrivée la question, pourquoi tu t'inscris sur ce genre de plateforme étant donné que tu reçois d'autres colis? Simplement parce que quand vous êtes inscrite sur ce genre de plateforme, il y a des marques que personnellement je ne connaissais pas. Ensuite, vous avez la possibilité de recevoir des produits gratuitement. Alors pourquoi on va s'en priver, vraiment? Pour celles qui ont peur, oui mais tu reçois des produits gratuitement alors tu dis pas la vérité, alors ça c'est faux, archi faux, archi faux. Justement, Octoly vous permet de donner votre avis personnel. Donc vous avez envie de dire qu'un produit ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de cracher dessus non plus, mais voilà, ça vous plaît pas, ça vous correspond pas, vous avez le droit de le dire. Tout ça pour vous dire que Octoly vous permet de pouvoir donner votre avis sur n'importe quel produit, que vous soyez d'accord ou pas. Ensuite, ce qui est assez chouette sur cette plateforme, c'est que vous pouvez vous choisir les produits, c'est pas la marque qui vient à vous. Le truc que j'adore vraiment chez Octoly, c'est le fait que cette plateforme soit gratuite. Alors ça, qu'on se le dise, c'est plutôt cool. Vous vous dites, ok, je reçois des produits gratuitement, mais combien ça va me coûter tout ça? Et zéro, ça vous coûte zéro. Un autre avantage, c'est que le colis arrive super rapidement. Enfin, moi, je me trouve actuellement dans les Landes et à chaque fois que j'ai commandé, je pense que j'ai pas attendu plus de 5 jours, si je me trompe pas. Une fois que vous êtes inscrite également, vous avez accès à des événements. Donc moi, j'ai rien. Vous avez des invitations. Donc voilà, des fois, vous avez une collaboration pour un shooting, vous avez, voilà, il y a plusieurs événements qui sont mis en place. Là par exemple, il y a une proposition de shooting, vous avez des événements, vous avez des gens qui ont envie de rencontrer d'autres influenceurs, et cette plateforme du coup vous permet de discuter avec d'autres influenceurs. Ça c'est plutôt cool, je trouve ça assez sympa. Si on récapitule bien tous les points positifs de cette plateforme, il y en a quand même plutôt pas mal. On refait le point: recevoir des produits gratuitement, pouvoir donner son avis, choisir les produits. Elle vous permet d'échanger avec d'autres influenceurs. La réception du colis, très rapide. Ensuite, alors c'est vrai, c'est pas le drame, hein. En vrai, on s'en fiche un petit peu, mais quand même, on y fait attention. Là, vous avez un carton. Je vous montre. Donc voilà, un carton tout simple. Vous ouvrez, vous avez du papier tout dégueulasse, comme ça. Avec des trous dedans. Ça va faire du bruit. Donc vous avez voilà, vous avez deux petits morceaux de papier comme ça là. Vous avez le bon de préparation. Mis vraiment chien. Regardez. Merci le gaspillage de papier. Bref.
Ça, après vous avez vos produits, donc là je vais pas vous montrer les produits que j'ai reçus parce que je vais pas spoiler ma prochaine vidéo, mais en vrai vous avez votre carton et il est absolument vide. Vous avez votre carton, le produit et c'est foutu comme ça. Il n'y a même pas une petite carte en disant oh, on est content de collaborer avec vous, ou je sais pas, ou emballer ça avec un petit nœud papillon. Enfin, c'est tout bête, ce sont des petites attentions que certaines marques s'embêtent à faire et je vois pas pourquoi cette plateforme-là ne s'embêterait pas à le faire aussi. Donc, c'est pas grand-chose en soi, hein. Tant qu'on reçoit le produit, j'ai envie de vous dire on est content. On se le dise, quand on reçoit un carton, je sais pas, il est rose, il est vert, il y a juste le logo de la marque, juste ça, c'est tout bête, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on se dit que, ah, la personne qui nous envoie le colis, elle fait pas ça comme ça. Là, j'ai vraiment l'impression que... Mais vous avez envie de recevoir un colis comme ça? Est-ce qu'un colis rose avec même le logo d'Octoly, ça ne changera pas le produit, c'est vrai. Mais c'est juste le principe. Après, comme je vous disais, c'est un tout petit point négatif. Ensuite, le deuxième point négatif que j'ai à vous donner, c'est tout simplement le choix des produits. C'est vrai que quand vous venez de vous inscrire, vous êtes là, waouh, mais il y a tout ça comme produit, oh, trop bien, trop bien. Vous avez l'impression que 5 crédits, ça suffira pas. Et au final, quand vous décortiquez un peu votre free store, vous vous rendez compte que ça tourne quand même en rond. Souvent les mêmes marques qu'on retrouve, donc il y a Merci Andy, moi j'ai Clarins. J'imagine que c'est une plateforme qui n'est pas très très vieille et donc toutes les marques ne sont pas sur cette plateforme. Enfin bon, une fois de plus, ce n'est pas un gros problème, mais si on pouvait améliorer ça, ce serait mieux. Troisième point négatif que j'ai à reprocher à Octoly, et ce sera pour le coup le dernier, ce serait le temps pour poster sa publication. Donc il me semble que sur Instagram vous avez 21 jours si je me trompe pas, et pour les vidéos YouTube il me semble que c'est 25 ou 28 jours. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, ce serait un mois on va dire. Une fois que vous avez récupéré votre colis, que vous l'avez ouvert, il faut faire la story. Il faut déjà la story, personnellement j'ai pas envie de la faire, pour revenir au point d'avant. Je n'ai pas envie de la faire quand je vois le pack que je viens de recevoir. Enfin bref, ça c'est encore que mon avis perso. La story, tester le produit parce que bah on va pas faire de la pub sur n'importe quoi non plus. Donc le point relais, le tester le produit, il va vous falloir imaginer une photo qui est assez sympa et qui sortira du lot. Il faut trouver, voilà, s'il y a quelqu'un qui prend vos photos habituellement, et ben là il faut que la personne soit aussi dispo, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, moi je trouve que là-dessus c'est un peu restreint. Voilà, ça demande quand même une certaine organisation, c'est 21 ou 25 ou 28 jours. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de vous organiser aussi, c'est vrai. Mais voilà, c'est un petit point négatif que je relève sur cette plateforme. Pour vous inscrire, il vous suffit tout simplement juste de regarder en barre d'infos et de cliquer sur le lien que je vous aurai mis. Cette vidéo s'achève maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous aider. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.